Tout le monde ici, professeur Sylvain du Centre d'autodéfense Bravado. Je suis avec Mathieu Chaput, le corps mort qui est en dessous de moi. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un simple choke de la position montée. C'est un petit piège. Je vais vous montrer ça. Je suis en position montée sur mon adversaire ici. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est rentrer ma main dans son collet ici. À ce moment-là, je vais lui donner l'impression que je veux passer ma main en dessous pour venir choker. Il va probablement venir défendre avec sa main. Quand il vient défendre ma main qui vient ici avec sa main, je passe mon genou par-dessus son bras et là, je m'en viens par-dessus avec mes quatre doigts pour faire la pingue. Et à partir de là, je vais pouvoir mettre ma tête à terre et commencer à stretcher le cou de mon adversaire. Juste pour que vous voyez qu'est-ce qui arrive, ça. Quand je suis dans cette position-là, ma deuxième main, si je pourrais rentrer mon pouce, je le ferais. Mais des fois, le kimono est très serré. Fait que c'est mes quatre doigts qui vont venir s'ancrer sur son manteau ici. Très important que j'ai contact avec mon avant-bras sur la veine de son manteau. Fait que c'est un, je fais une ruse pour passer en dessous pour qu'il commette sa main. Là, je bloque sa main et là, je passe par-dessus à la place. Je vais mettre mon poids vers son cou, ma tête à terre. Là, ça va libérer mes bras pour commencer à choquer mon adversaire. Vraiment simple, vraiment efficace. Il y a un petit lien en bas de l'écran, la gang. Si vous voulez un mois gratuit chez Bravado, inscrivez-vous sur le lien. Et si vous aimez la vidéo, likez, commentez et partagez la vidéo avec vos amis. Ça nous fera plaisir de faire plus de vidéos pour vous. Merci, ciao.